Moi, ça veut sortir. Bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle donc là une présentation de l'heure, donc ça fait un moment que j'ai pas fait de présentation de l'heure. Donc avec Julien on va vous présenter les derniers achats qu'on a fait. Donc il y a du leurre souple, principalement du leurre dur. Donc voilà, donc il y a de tout, il y a du jerk pour le brochet, pour la perche, il y a du leurre à palette, du leurre souple, donc voilà, on vous a préparé un petit truc, quelques leurres, nos derniers leurres qu'on a achetés qui sont pas trop mal pour pêcher. Donc voilà, donc on se met en place et on vous présente les quelques leurres. Donc là on va commencer par mes quelques leurres que j'ai acheté dernièrement, donc qui sont pas trop mal. Donc je vais commencer par présenter donc, les Rock Vibe. Donc là c'est des Rock Vibe en 3 pouces, donc coloris naturel. Donc c'est les Blue Pearl. Voilà, je vous en sors un. Voilà, donc ils sont un coloris bleu-violet sur le dos, puis en dessous gris pailleté. Voilà, donc un leurre où j'ai déjà fait du poisson avec. De la perche principalement, voilà aussi bah j'ai fait pas mal de ratés, mais bon, voilà, donc un leurre qui a déjà bien marché. Voilà, donc là c'est un rock vibe 3 pouces, donc de chez Rens Blue Pearl. Ensuite donc encore des leurres chez Rens, donc là c'est des rock vibe 2 pouces, donc les plus petits. Donc là c'est un coloris Manteco, donc là c'est rose avec des petites paillettes rouges à l'intérieur. Voilà, donc pareil, hein, des Rens, ça reste la base, au moins avoir ça dans son sac de pêche. Voilà, donc c'est un leurre qui fournit tout, la plupart du temps du poisson, de la perche, du brochet, quoi que ce soit, voilà. Ensuite, on va passer au leurre dur. Donc leurre dur, je vais vous présenter donc, le Baby Buster donc, de chez Strike Pro. Donc il est en 23 grammes. Donc là, c'est un coloris plutôt agressif, donc pour les brochets, même pourquoi pas les grosses perches, voilà. Donc, même le silure, tout comme ça. Voilà, donc leurre de chez Strike Pro. Donc très connu, très bruiteur, ouais, très bruiteur. Des hameçons voilà, très piquants, je crois que c'est des hameçons VMC. Voilà, donc ça c'est le Baby Buster donc de chez Strike Pro. Donc c'est alors j'avais déjà présenté, mais là Julien on a un autre coloris. Donc c'est un Chatterbait donc de chez Vulcan Soul. Voilà, donc avec un petit trailer derrière de un petit de Fincha de chez Daiwa. Donc voilà, donc un leurre j'ai déjà présenté dernièrement dans mes dernières vidéos je crois, mais moi je l'avais en coloris blanc. Voilà, donc un petit leurre bien sympathique, un chatterbait, voilà, donc en 14 grammes de chez Vulcan Soul. Maintenant je vais essayer de présenter ces leurres. Donc on va commencer par le Max Quad donc de chez Ilex. Donc c'est un jerkbait de 13 cm pour 21 grammes. Donc voilà. Il est fourni avec 3 triples, donc pensez bien, si vous en servez en rivière, pensez bien enlever au moins un triple, n'importe lequel. Moi j'ai enlevé celui du nid parce que je me suis fait avoir avec un brochet qui a attaqué le leurre. Je sais pas si on peut voir les morsures ici là. Donc voilà, il a attaqué le leurre et puis bah il s'est pas piqué. Du coup c'est dommage de rater un poisson à cause de ça. Un autre leurre pour le brochet, donc un leurre de chez Westin. Donc on n'a plus le nom avec Thomas, mais c'est vraiment un super leurre, il est magnifique. Le coloris il est super, Fire Tiger, avec des gros hameçons exprès pour le brochet. Voilà, très avec beaucoup de billes aussi, il fait beaucoup de bruit. Voilà, avec une profondeur de nage de 1 mètre à 2,50 m. Voilà, pour le brochet je pense pas trop mal. Une nage assez serrée. Oui. Voilà, on peut donner des coups de jerk pour désaxer la nage et puis énerver le poisson. Un petit jerk de chez Rapala. Donc je pense la plupart en connaissent parce que bah, Rapala c'est la base on va dire des leurres dures. Donc c'est le Shadow Rap en 9 cm et il fait 11 grammes. Il se lance plutôt pas mal et on le sent bien au bout de la canne, on le sent bien qu'il vibre au bout de la canne. Puis pour brocher, perche, chevenne, asp. Oui. Asp, ceux qui sont pêcheurs d'asp, regardez cette vidéo. Voilà, oui. Donc ça c'est un leurre qui est typique pour l'asp, il est super. Il y a une profondeur de nage qui est 50 cm en dessous de la surface. Oui. Donc voilà, dans les courants ou même à contre-courant, ça peut être un excellent leurre pour l'asp. Voilà. Il fait pas mal de bruit aussi. Ouais.
Un petit peu. Peu brune. Voilà, on voit les grosses billes là, donc voilà. En blanc, il est super, hein, super coloré en blanc. Vraiment naturel. Donc voilà. Super, super finition. Un petit crank, donc de chez Bizone. Donc là, pareil, désolé, on n'a pas le nom. J'ai plus le nom de ce crank. Donc je l'ai acheté principalement pour la perche et le chevesne. Les petits brochets aussi. On devrait monter dessus. Donc voilà, pas encore fait de poisson, mais ne devrait pas tarder. Donc voilà, il fait 11 grammes. Avec une belle petite nage, bah, de crankbait bien classique, hein, assez. Ouais, voilà, assez serré. Donc voilà. Donc celui-là, tout le monde le connaît, hein, c'est le swimbait classique à pas cher. Donc de chez Savagir, c'est le Force Play. Voilà, en 12 cm. Voilà, un joli petit swimbait qui plonge à 80 cm, je crois. Donc voilà. Donc bon, il est abîmé, mais c'est pas à cause des poissons, c'est la peinture qui, au fil du temps, à force de rester dans la boîte, elle s'en va toute seule. Donc voilà. C'est peut-être le seul inconvénient sur ce leurre. La peinture qui tient pas très longtemps dans le temps. Ouais, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là c'était une petite vidéo, donc j'espère qu'elle est pas trop longue. Je pense qu'elle a peut-être duré aux alentours des 8 minutes, voilà, donc je sais pas. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une petite vidéo de présentation comme ça pour vous montrer à peu près nos leurres, les nouveaux qui sont arrivés dans les boîtes. Voilà, comme on me demande souvent des fois de faire des vidéos de présentation, bah voilà, j'essaie de vous faire une petite vidéo comme ça pour vous montrer nos leurres en général, qui viennent au fur et à mesure. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus de renseignements ou des idées de vidéos, mettez-moi en commentaire, je tâcherai de vous répondre le plus vite possible comme d'habitude. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas aussi à aller voir faire un tour sur la page Facebook, donc c'est là où je poste pas mal de trucs. Sinon, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné pour suivre toutes mes actualités. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Ah. Voilà, petite perchette encore une fois. Oh, petite.